Pendant les entraînements spécifiques à Lyon, c'était le gardien remplaçant qui servait de cobaye. Okay. Vercoutre. À l'époque, à Lyon, c'était Rémi Vercoutre, ouais. Moi, j'ai reçu les frappes de Juni, j'en ai pris des milliers. Il a fait de longues, longues séances avec Juni. Juni l'a fait progresser, l'a fait souffrir, mais c'était intéressant de les voir. C'était des beaux duels. Moi, je prenais du plaisir à rester observer ces séances-là. Ce qui est impressionnant, c'est avec Juni, c'est pas seulement qu'il marque les coups francs. C'est sur 10 coups francs, il va t'encadrer quand même 8. Il y avait 30, 40 coups francs par séance. Je vais essayer là maintenant. Il frappait comme j'ai aimé. Il y avait 90% des coups francs qui étaient cadrés. Et la plupart du temps, quand c'était cadré, c'était but. Quand c'était loin, j'ai commencé à frapper d'abord cadré en ballon avec une bonne vitesse. Et que le ballon puisse, avant qu'il change, qu'il ne va pas tout droit, que je frappe, qu'il puisse tourner la trajectoire et qu'il puisse plonger le ballon un peu plus avant le gardien. Et lui, des fois, il la faisait même rebondir avant 40. Oh, Kevin, Juni. À l'époque, les ballons n'étaient pas les mêmes dans le championnat pour chaque équipe. Et Juni a été celui qui a instauré ça, c'est-à-dire qu'il a fait acheter au club tous les différents ballons des clubs dans lesquels on allait jouer en déplacement. Donc toute la semaine, il s'habituait à ça. Il s'habituait aux nouveaux ballons avec lesquels il allait jouer le week-end. Il savait exactement la texture du ballon, s'il flottait pas, s'il était lourd, gros. Les gens attendaient la délivrance, en fait. Il y avait une attente autour de ça. On savait que c'était tellement possible, de loin, à droite, à gauche, de près, enroulé, frappé. Il venait presque voir un coup franc de Juninho. C'était devenu une attraction dans le match. Si le foot a évolué et on dit on aura un jour pour tirer le coup franc, je joue jusqu'à 50 ans. Je vais m'entraîner, je vais préparer mon muscle. Bien sûr, je reste le bon coup franc. Tu rentres comme le football américain. Donc, j'ai vu des matchs de Lyon, je me suis dit là, s'il marque là, c'est abusé. Hop, et puis il marque. Il y avait faute à 20 mètres. On dit oh là là, faut faire gaffe. Pour faire faute à 20 mètres, les défenseurs adverses, il y a danger. À 25, il y avait danger. À 35, il y avait danger aussi. Alors que ça, des fois, les défenseurs, ils font moins de fautes sur vos attaquants à vous parce qu'ils savaient que Juni, il pouvait faire tout. Il pouvait tout faire. Je pense qu'Ajaccio, c'était sûrement le plus inattendu et le plus beau. Ajaccio, c'était le 5e titre. C'était quand même... Attends, c'était là à peu près. Quand même, sans un coup franc. Quand même, c'est pas facile. Hein. Je suis complètement confiant. À 31 ans, fort physiquement aussi. Donc, je frappe. Et le ballon, il pond cette trajectoire-là, mais après, il tourne encore. Frappe, elle partait une fois qu'elle était partie et qu'elle était cadrée, on savait que le gardien, ça serait très difficile pour lui. Il l'a fait flotter, il l'a fait voler. Non, c'était incroyable. Et là, c'est Karim, je me souviens bien parce que c'est Karim qui est là. Il commençait à jouer beaucoup à cette époque. Il faisait comme ça après que je marque. Il y a un autre aussi que j'adore, c'est contre le Bayern. Et là, ce ballon, il monte complètement. Et Oliver Kahn, quand il essaye d'aller, c'est déjà trop tard. Et c'est marrant parce qu'il y a le petit derrière, le ramasseur de balle derrière, qui quand le ballon il part, il va tellement haut qu'il fait comme ça, derrière le but. Il pense que le ballon il va sortir. Et là, le ballon tombe. Après, il y a ce but magnifique contre le Barça aussi. Parce que c'est la même frappe. Par contre, c'est à côté. Je l'ai vu en direct une fois. La balle est passée au-dessus de ma tête contre Barcelone, d'ailleurs. Quand il nous en a mis un, je l'ai vu en direct. Juni, il marque un coup franc. La première personne qui venait voir sur le banc de touche, c'était moi. C'était génial, quoi. J'avais l'impression d'avoir un retour par rapport à l'investissement que je donnais la semaine avec lui. Voilà, ma récompense à moi, c'était ça. Moi, pour moi, hein, de l'histoire, j'ai jamais vu un mec tirer des coups francs comme lui. Pour moi, de l'histoire, c'est le meilleur. Et de loin, très loin. Tu arrives pas à un niveau haut sans travailler. C'est impossible. Tu
pour avoir vraiment le talent, mais si on ne travaille pas, ce n'est pas possible. Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteamgame.com. Clique no link na descrição.